David Abbassi, écrivain, historien, vous présente l'humeur du temps. Tous les lundis et derniers samedis du mois sur 95.2 FM et ici et maintenant.com. Et aussi sur le canal 9A de la RNT, son site internet davidabbassi.com. Toutes ces racistes, antisémitistes et tout ce que vous voyez, tout ça, vous savez, ça vient d'où ? Ça vient de la jalousie. L'individu qui est jaloux ou jalouse contre sa sœur, contre son frère, contre son voisin, contre son collègue du travail, cet individu qui est jaloux, il est jaloux. C'est une maladie. Il est jaloux contre les Juifs. S'il pense que les Juifs sont millionnaires, ils ont de l'argent, les Juifs, ils ont le pouvoir, ils pensent comme ça. Mais imaginez-vous, je vous invite à aller chercher dans le pays, même ici en France, même à Paris, dans certains quartiers qu'il y a des Juifs, allez-y compter les pauvres qui existent. Vous ne croyez pas ? Vous ne croyez pas ça ? Ça existe. Allez-y demander de chaque canissat à son patron. Monsieur, combien de repas vous diffusez ? Parce qu'eux, ils font ça en discret. Ils ne le font pas avec propagande. Ils le font en cachette. Il y a des pauvres juifs, même ici en France. Après, il y a des pauvres juifs en Israël. En Israël, moi-même, je connais les gens, moi-même. Les Français qui se sont émigrés là-bas pour travailler, pendant certains temps, ils ont bien travaillé, mais après, le business s'est chuté, comme ici, comme partout. Ils sont tombés en chômage. Il a perdu sa voiture, sa maison, il est tout perdu, il est pauvre. Il touche la CEDEAC, en plus ce n'est pas facile, tellement facile comme ici. Je vous dirai des histoires peut-être après, puisque c'est fini mon temps. Mais je vous assure, il y a des pauvres parmi les Juifs. Il y en a beaucoup de pauvres. Ne pensez pas que tous les gens sont riches, que tous les gens ils ont le pouvoir, ils sont à la télé, à la radio. C'était des mensonges qu'on vous a raconté. Il y en a des gens riches, bien sûr. Mais il y en a des pauvres aussi. C'est pour ça cette jalousie. Si vous le sortez de votre cœur, cette jalousie. Et alibi, c'est quoi ? C'est le Palestinien. Alibi. Palestinien, terre occupée. Terre occupée. La totalité de terres musulmanes, sauf Arabie Saoudite, c'est des terres occupées aussi. La totalité de terres. De Liban, Syrie, l'Irak, Nord-Afrique, Perse, Égypte. Égypte, il y avait une grande civilisation millénaire de 5000 ans. Les Berbères ont une grande civilisation de 5000 ans. En Nord-Afrique, ils étaient envoyés par l'islam politique, par les guerres musulmanes, le pays. C'est partout comme ça. Ça. Tout ça, vous oubliez et vous parlez terre occupée, Palestine occupée. De toute façon, préparez-vous pour intervenir dans les prochaines émissions de David Abbassi, même si vous êtes contre, venez parler avec moi quand je suis là. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous dis à très bientôt. Que les dieux vous gardent. Voilà. Le Dieu, il est à part de tous les individus, de n'importe quelle couleur, n'importe quel nom, de n'importe quelle religion, tout ça. Le Dieu, c'est quelque chose à part de tout ça. Le cosmos, le Big Bang, il a créé. Créateur, l'architecte de l'univers, organisateur de cette cosmos que nous vivons, je le salue. Je vous salue aussi, mes chers amis. Et je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Faites attention à vous. Que les dieux vous gardent, s'il vous plaît. Allez, demain, allez voter.